Et bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve encore pour le Gélas, encore une fois. Je re-essaye de monter et dormir là-haut. La météo c'est guère mieux pour l'instant. Qui n'attente rien n'a rien. Je suis pas tout seul encore une fois, j'ai encore trouvé un acolyte pour m'amener jusqu'à là-haut. Philippe. Allez, comme d'hab, c'est par là le chemin. Voilà le collet Saint-Robert avec l'Argentera en face. Casque sur la tête, c'est parti. Je suis arrivé à la cime du Gélas, 3143 mètres. Parfait, il est 20h25. Maintenant j'attends Philippe qui arrive. Santé, salute. Bon ben, bon app hein. Bon appétit. Ah oh, c'est bon hein. On a bu la tisane, c'est bon, on peut y aller, on peut dormir. Bonne nuit. Allez, bonne nuit, à demain. Et bonjour, on a passé la bonne nuit au sommet du Gélas. Oh, et puis on a bien dormi. Il hein. Y a eu pas mal de vent quand même. Moi j'ai bien ronflé. Un bon petit spectacle dès le lever du soleil. Allez c'est parti, il est 7h40. On se fait l'arête qui part de la cime du Gélas jusqu'au balcon du Gélas. On est parti du sommet du Gélas. On a fait la crête tout comme ça. Bon ben voilà, notre petite aventure est terminée. Donc c'est bon, dormir au sommet du Gélas. C'est fait, on peut cocher la case. J'espère que ça vous a autant plu que nous. En tout cas, merci Philippe de m'avoir accompagné là-haut dans cette bêtise. Comme on dit chez nous, la baillette et à plus sur les sentiers.